Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle séance d'hypnose, avec comme thème la reconnexion à l'enfant intérieur pour retrouver confiance en soi. Dans un premier temps, j'aimerais simplement vous inviter à vous installer confortablement, dans un endroit calme, et peut-être vous munir d'une paire d'écouteurs ou encore d'un casque audio, afin d'être pleinement immergé dans cette séance et que vous ne soyez pas perturbé par d'éventuels bruits extérieurs. Tout au long de cette séance, je vais simplement vous guider à travers ma voix, à travers mes suggestions, et la seule chose que vous aurez à faire sera simplement de rester confortablement installé et de suivre mes instructions, d'écouter le son de ma voix. Si au cours de cette séance vous ressentez certaines sensations, comme des sensations de chaleur, de légèreté, de lourdeur, des fourmillements, ou encore une déglutition particulière, dites-vous que c'est parfaitement normal et que ce sont simplement des phénomènes qui se produisent normalement lorsque nous sommes dans une séance d'hypnose. Également, si vous vous endormez au cours de cette séance, dites-vous que c'est très bien comme cela. Votre inconscient, lui, continuera d'être attentif à toutes les suggestions bénéfiques à votre évolution, à tout ce qui vous permettra d'établir une connexion plus profonde entre votre conscient et votre inconscient pour faciliter tout ce que vous avez à entreprendre pour le reste de votre existence. Enfin, il est important pour moi de vous signaler que durant cette séance, je vais vous proposer de revisiter un souvenir agréable que vous avez pu vivre pendant l'enfance. J'aimerais donc simplement que vous commenciez à sélectionner l'un de ces souvenirs. Simplement à y penser, à vous remémorer l'époque, le lieu, les personnes qui vous entouraient. Et surtout sélectionner un souvenir dans lequel vous étiez particulièrement joyeux, épanoui. Bien. Une fois que vous serez prêt, prête, vous allez vous autoriser à fermer les yeux. Et en faisant cela, j'aimerais simplement que vous commenciez à être attentif au silence environnant, au calme. Il est important pour pouvoir s'écouter en profondeur de savoir écouter le calme autour de soi. À travers le silence, nous pouvons mieux entendre notre petite voix intérieure, cet enfant intérieur qui ne demande qu'à être écouté, à ce qu'on lui porte de l'attention. Profitez simplement du silence pour mieux écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et en faisant cela, j'aimerais que vous commenciez à être attentif à votre respiration, ressentir les mouvements et rendre cette respiration progressivement plus profonde, plus ample. Prendre de profondes inspirations, suivi de profondes expirations. Une profonde inspiration. Avant de souffler profondément. Et laisser un rythme comme cela s'installer. Afin d'amplifier ce phénomène, ce mécanisme inconscient. Lorsque l'on amplifie la respiration, les mouvements de celle-ci, nous pouvons simplement découvrir une nouvelle forme de calme intérieur. Pouvoir se connecter à des parties plus profondes de soi. Déposer notre attention consciente sur un phénomène inconscient et laisser ces deux parties se rencontrer. Et vous allez simplement comme cela être attentif à votre respiration et la laisser s'amplifier sans même vous rendre compte qu'à chaque expiration, votre inconscient va naturellement faire en sorte de générer une forme de relaxation corporelle et d'apaiser votre esprit, de relâcher le corps progressivement, relâcher les épaules, relâcher les jambes,
relaxer le torse et détendre tous les muscles du corps comme ceux présents au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du visage. Pour simplement s'autoriser à ressentir comme une sensation de flottement. Comme si le corps était plus léger et paradoxalement plus lourd par une relaxation qui s'intensifie à chaque expiration. Et en faisant cela, j'aimerais simplement que vous commenciez à vous concentrer sur ce souvenir dont nous avons parlé précédemment, ce souvenir de l'enfance. Vous allez simplement faire en sorte de contextualiser la scène, de revoir les images, les formes, les couleurs, d'entendre les bruits autour de vous, peut-être même de vous connecter aux odeurs qui étaient présentes lors de ce souvenir. Et vous allez revisiter celui-ci comme si vous étiez en train d'incarner ce souvenir, comme si vous pouviez le revivre à nouveau, pour ressentir toutes les émotions qui vous traversaient lorsque vous étiez enfant et que vous viviez un bon moment, une sensation agréable. Et je me demande en quoi est-ce que ce souvenir pouvait être agréable. Qu'est-ce qui a pu faire que tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur et à l'intérieur de vous ont pu générer une émotion positive, un moment particulier. Et vous allez simplement laisser cette joie continuer de monter à l'intérieur comme si vous pouviez pleinement en profiter aujourd'hui, en vous laissant bercer par la musique qui m'accompagne et par les images qui vous traversent l'esprit. Très bien. Peut-être même que vous pouvez vous amuser à observer votre main dans ce souvenir et vous apercevoir qu'elle est beaucoup plus petite que la main que vous avez l'habitude d'observer dans votre quotidien, maintenant que vous êtes adulte. Votre corps est plus petit, et peut-être que tout autour de vous vous semble plus vaste, plus grand. Et vous pouvez comme ça jouer avec vos perceptions, tout en revisitant ce souvenir particulier. Et alors désormais, j'aimerais simplement que progressivement, vous puissiez revenir dans le lieu dans lequel vous avez commencé cette expérience. Ce lieu dans lequel vous avez fermé les yeux pour revivre ce souvenir agréable. Prendre simplement le temps de se souvenir de ce qu'il y a en face de vous, sur les côtés, et du lieu dans lequel vous vous situez actuellement. Et après cela, j'aimerais simplement que vous puissiez imaginer que vous pouvez comme vous balader dans ce lieu, passer d'une pièce à une autre, d'un étage à un autre, pouvoir parcourir tout ce qu'il peut y avoir à observer autour de vous. Comme si pendant que votre corps était confortablement installé, en train de se relaxer, votre esprit, lui, pouvait complètement voyager et se déplacer. Et alors j'aimerais simplement que vous puissiez vous rendre dans l'étage le plus bas que vous connaissez dans le lieu dans lequel vous êtes actuellement situé, au niveau zéro. Et alors lorsque vous allez commencer à vous imaginer dans ce niveau, vous allez imaginer qu'il y a un ascenseur qui est présent non loin de vous, ou encore des escaliers, si vous préférez prendre les escaliers.
mais pour le moment, je vais vous guider vers l'ascenseur. Vous allez simplement appuyer sur le bouton de l'ascenseur avant de voir les portes de celui-ci s'ouvrir. Vous allez pouvoir rentrer dans l'ascenseur et observer qu'il y a différents boutons, mais qu'il y a un gros bouton rouge avec écrit « Enfant intérieur ». Et vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton tout en observant les portes de l'ascenseur se fermer. Et vous allez alors pouvoir ressentir le mouvement de l'ascenseur qui descend progressivement. Jusqu'au moment où il y a un petit signal qui vous informe que vous êtes arrivé. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et vous allez découvrir une grande pièce très colorée, avec différentes couleurs, différents symboles, des dessins. Et vous allez pouvoir vous laisser émerveiller par cette pièce, en observant les différents symboles qui sont présents. Mais vous allez également vous apercevoir qu'au bout de cette pièce, il y a une petite porte qui est présente, très étroite. Et vous allez vous autoriser à vous déplacer vers cette porte. Au moment où vous arriverez en face d'elle, vous allez pouvoir poser la main sur la poignée et commencer à ouvrir la porte pour découvrir une petite pièce dans laquelle est présent votre enfant intérieur, cette représentation de vous-même lorsque vous étiez plus jeune, lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez plus insouciant, lorsque vous découvriez le monde, lorsque vous étiez plus inconscient, curieux d'apprendre et de comprendre. J'aimerais alors simplement que vous fermiez la porte derrière vous et que vous puissiez accueillir cet enfant avec beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Peut-être lui offrir un geste affectif. Et vous allez alors, pendant quelques instants, accompagné par mon silence, pouvoir échanger avec cet enfant intérieur, écouter tout ce qu'il a à vous dire, et lui partager peut-être votre amour, votre envie de vous connecter plus profondément avec lui, avec ses désirs, avec sa légèreté, sa créativité, et tout l'amour qu'il a à vous transmettre. Je vais donc laisser quelques instants de silence, puis je reprendrai la parole d'ici quelques secondes. Et je vais alors commencer à reprendre la parole. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez simplement m'écouter en arrière-plan et continuer votre échange avec cet enfant intérieur. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous allez vous autoriser à lui exprimer toute votre gratitude pour sa présence ici, aujourd'hui, pour tout ce qu'il a pu vous partager, pour tout ce que vous avez pu lui transmettre, pour cette connexion naissante qui va continuer de grandir, maintenant qu'elle est établie consciemment. Et vous allez même, pour symboliser cette gratitude, vous autoriser à prendre cet enfant intérieur dans les bras. Et lorsque vous allez ressentir son corps contre le vôtre, vous allez observer comme une lueur,
une lumière qui va tourner tout autour de vous, autour de vos deux corps. Comme une lumière qui danse, comme une connexion qui s'intensifie, qui s'établit, qui devient réelle et profonde. Et profitez de cet instant, de cette lueur qui peut lier deux parties de vous-même, l'enfant intérieur et l'adulte intérieur, et ressentir simplement une sensation intérieure lorsque cette connexion est établie et qu'elle se renforce naturellement jour après jour. Peut-être que vous allez ressentir comme des fourmillements, comme des frissons. Peut-être qu'à l'avenir, même lorsque cet enfant souhaitera s'exprimer, vous pourrez entendre comme une voix intérieure plus enfantine, une sensation différente, une pensée qui s'invite avec un nouveau timbre de voix, avec plus d'insouciance, de légèreté, d'amour naturel. Et vous allez alors continuer à exprimer votre gratitude, et lorsque vous vous sentirez prêt, vous allez simplement pouvoir dire au revoir à cet enfant, maintenant que cette connexion est établie et que vous allez pouvoir le retrouver à n'importe quel moment, lorsque vous le souhaiterez, dans votre réalité. Vous allez pouvoir lui dire au revoir en le remerciant et retourner vers cette petite porte par laquelle vous êtes entré. Vous allez pouvoir ouvrir la porte et la refermer derrière vous. Vous allez pouvoir traverser cette grande pièce colorée pour retourner au niveau de l'ascenseur par lequel vous avez accédé à cet espace. En entrant dans l'ascenseur, vous allez observer qu'il y a toujours plusieurs boutons qui sont présents et qu'il y a un bouton avec écrit « Niveau 1, confiance ». Et vous allez donc vous autoriser à appuyer sur ce bouton. L'ascenseur va alors commencer à monter et vous allez pouvoir ressentir la sensation de ce mouvement jusqu'à ce que les portes s'ouvrent et que vous puissiez commencer à observer dans cet étage, dans la pièce qui se présente à vous, comme un graphe sur un mur sur lequel est écrit « Confiance inconsciente ». Je me demande d'ailleurs de quelle couleur est-ce que vous percevez cette écriture, quelle est la forme que vous pouvez contempler. Et vous allez continuer à parcourir cette pièce et observer qu'au bout de celle-ci, il y a comme un espace de cinéma, comme s'il y avait un écran géant, et qu'il y avait plusieurs chaises qui commencent à apparaître, plusieurs sièges. C'est vous qui tenez la télécommande en chaque instant, et vous pouvez modifier ce lieu à votre guise. Mais pour le moment, vous allez vous autoriser à vous asseoir sur l'un de ces sièges. Et vous allez commencer à observer cet écran qui s'allume. Et il va y avoir différentes scènes de réussite de votre vie. Différents moments où vous avez ressenti un certain succès, une certaine fierté de vous-même. Différents moments où vous êtes autorisé à vous faire confiance. Là où les choses vous ont réussi. Comme si vous aviez su faire confiance à votre inconscient, en votre capacité de vous adapter. Faire confiance au fait de réussir à faire quelque chose que l'on a déjà imaginé ou réalisé. Notre cerveau, notre inconscient, notre corps ont une mémoire presque illimitée et peuvent simplement retenir la construction et la façon dont se produisent certains phénomènes dans notre réalité pour nous apprendre à évoluer, à faire de mieux en mieux, étape après étape.
l'idée est simplement d'apprendre à se faire confiance pour continuer à aller de l'avant et faire de son mieux à chaque étape. Et vous allez simplement observer cet écran et ces images qui vont commencer à défiler, ou peut-être même continuer à défiler. Vous allez voir différents souvenirs, différents moments de joie, des petites victoires comme des grandes, et ressentir simplement l'émotion à l'intérieur, qui se propage dans tout le corps, dans l'esprit, qui va permettre même à votre âme de vibrer plus intensément. Comme si la petite lumière présente au niveau de votre plexus solaire, imperceptible, pouvait grandir en observant ces images, en vous remémorant certains moments de réussite, de victoire, d'apprentissage, d'évolution ou de succès. Cette lumière va alors continuer à devenir de plus en plus intense, jusqu'à même que votre aura puisse commencer à devenir de plus en plus lumineuse, de plus en plus colorée, sous différentes teintes. Et vous pouvez alors simplement profiter de ces moments joyeux, en observant tous ces moments défiler à l'écran, comme si l'on regardait un film de la confiance en soi. Un film qui vous prouvait de quelle façon est-ce que vous pouvez vous faire confiance. Car lorsque vous avez su le faire, tout s'est parfaitement passé. Et même si ce n'était pas toujours le cas, vous avez pu apprendre pour continuer de grandir sur votre chemin. En réalité, votre inconscient sait et retient tout. Il sait de quelle façon est-ce qu'il peut naturellement amplifier toutes les ressources présentes à l'intérieur de vous qui vous permettent de vous faire confiance dans votre quotidien. Et alors j'aimerais simplement que votre inconscient puisse continuer d'amplifier tout cela, solliciter toutes les ressources nécessaires à tous les niveaux qui vous permettront de gagner en confiance jour après jour, nuit après nuit, pour vous sentir de plus en plus lumineux, de plus en plus fort à chaque réveil. S'autoriser à se faire confiance plus qu'à n'importe qui. Par moments, nous avons tendance à faire confiance à différentes personnes autour de nous, ce qui est une excellente chose, mais nous pouvons avoir tendance à oublier que nous sommes l'acteur principal de notre réalité. Et qu'il suffit simplement par moment de se demander de réaliser quelque chose avant de s'observer le réaliser concrètement pour comprendre que nous pouvons nous faire confiance en profondeur pour laisser une sérénité s'installer dans nos comportements, dans notre façon d'interagir avec nos émotions, dans notre quotidien. Quoi qu'il arrive, vous resterez et vous êtes l'acteur principal de votre réalité, la personne la plus importante de votre vie. Il va alors être grand temps d'autoriser à vous faire confiance, de continuer de vous lier avec votre enfant intérieur pour comprendre vos désirs profonds, votre légèreté, votre naturel, et en même temps pouvoir l'harmoniser avec les idées de votre adulte intérieur, pour vous faire confiance et avancer main dans la main, en harmonie, telle une équipe qui avance vers la victoire, vers un succès personnel, une réalisation de soi. Et vous allez alors simplement vous autoriser à ressentir une forme de gratitude en essayant d'observer ces images de connexion et d'harmonie entre votre vous d'aujourd'hui et votre enfant intérieur qui vous accompagne en profondeur jour après jour, tel un guide
qui vous permet de vous reconnecter à l'émerveillement, à la créativité, à l'amour inconditionnel ou encore à vos rêves les plus intenses, les plus profonds. Ressentir cette gratitude, comme si vous pouviez sentir un élan du cœur, un mouvement qui vous permettait de vous sentir de plus en plus connecté avec vous-même, avec vos ressources, afin de pouvoir briller intensément dans votre réalité. Très bien. Et en observant et en ressentant tout cela, vous allez simplement observer cet écran commencer à s'éteindre progressivement, comme si la lumière pouvait progressivement s'estomper, pendant que la lumière intérieure continue de grandir. Et alors, une fois que cet écran sera éteint, vous allez simplement pouvoir vous lever et retourner vers l'ascenseur par lequel vous êtes arrivé dans cet espace. Vous pouvez ressentir les mouvements en avançant vers celui-ci et appuyer sur le bouton pour ouvrir cet ascenseur, avant d'observer les portes s'ouvrir et de vous autoriser à entrer à l'intérieur. Et vous allez alors simplement découvrir qu'il y a un bouton avec le numéro 3, où il est écrit « Avenir ». Et vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton. Les portes de l'ascenseur vont alors se fermer, et vous allez ressentir le mouvement de celui-ci lorsqu'il commence à monter vers ce troisième étage. Les portes vont alors s'ouvrir pendant que l'ascenseur est stable et vous allez pouvoir sortir de cet espace pour découvrir un lieu naturel, comme si nous étions en pleine nature. Nous pouvons ressentir l'intensité du soleil qui vient caresser la peau. Une chaleur agréable, douce. Peut-être écouter tous les bruits environnants. Et je me demande si vous pouvez entendre des bruits d'oiseaux qui chantent pour vous accueillir dans cet espace. Observez des fleurs, des arbres et toute cette nature vivante et riche présente autour de vous. Vous allez alors simplement vous autoriser à vous asseoir contre un arbre, peut-être un arbre qui a une forme un petit peu différente des autres, un arbre qui vous appelle plus qu'un autre. Vous allez vous autoriser à vous déplacer vers celui-ci et vous asseoir contre lui, comme si vous pouviez établir une connexion avec cette nature. Et alors, une fois que vous serez confortablement installé, j'aimerais simplement que vous vous autorisiez à fermer les yeux pour effectuer une visualisation. La visualisation de votre avenir, maintenant que l'harmonie règne entre votre enfant intérieur et votre adulte intérieur. Maintenant que votre confiance grandit naturellement de jour en jour. Maintenant que vous avez intensifié cette connexion avec votre profondeur, pour vous autoriser à aller de l'avant, à travers tous les apprentissages que vous suggère la vie, jour après jour. Et vous allez comme cela pouvoir visualiser une journée, le déroulé de celle-ci, comme si vous pouviez faire une avance rapide. C'est toujours vous qui tenez la télécommande de ce que vous visualisez. Vous pouvez observer les détails qui changent dans votre quotidien, votre émotion de plus en plus positive, une humeur joyeuse, des comportements stabilisés et une personnalité qui devient de plus en plus lumineuse, qui se dévoile à tout ce monde autour d'elle. Et vous allez comme ça
pouvoir continuer à visualiser l'avenir que vous souhaitez découvrir à travers cette harmonie entre l'enfant intérieur et l'adulte intérieur, tout en laissant mon silence vous accompagner encore quelques instants. Je vais alors commencer à reprendre la parole, mais si vous souhaitez m'écouter en arrière-plan pour continuer de visualiser, vous pourrez le faire tout naturellement. Une fois que vous aurez terminé votre visualisation, que vous aurez pris le temps d'observer ce que vous souhaitez observer pour votre avenir, vous allez pouvoir vous autoriser à vous reconnecter avec cet arbre sur lequel vous êtes adossé. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux dans cette nature et ressentir une grande gratitude envers l'univers, envers la nature, envers votre inconscient, votre enfant intérieur et même envers votre capacité à vous faire confiance désormais pour chaque étape de votre réalité. Et tout en ressentant cette gratitude, j'aimerais simplement que vous puissiez continuer de ressentir et d'observer la lumière qui grandit tout autour de vous, comme si cette nature devenait de plus en plus lumineuse. On pourrait presque croire que l'atmosphère devient de plus en plus blanc, tellement cette lumière est intense. Et vous allez alors simplement profiter de cet espace qui devient de plus en plus blanc tout autour de vous, grâce à votre lumière intérieure qui ne fait que grandir et qui continuera de grandir de jour en jour. Et alors désormais, dans votre quotidien, votre enfant intérieur pourra trouver un moyen de communiquer avec vous, de vous partager ses désirs, son amour, sa créativité, son imagination. Peut-être qu'il le fera à travers une sensation, à travers un mot, une phrase, un timbre de voix, ou encore par un symbole que vous allez pouvoir observer dans votre réalité. Vous allez simplement pouvoir vous autoriser à être observateur de cela, de la façon dont votre inconscient et votre enfant intérieur se connectent avec votre conscient et votre adulte intérieur dans votre quotidien. Et vous allez pouvoir continuer de ressentir de la gratitude pour cela. Et alors que vous êtes toujours présent dans cet espace qui est devenu tout blanc de par votre lumière tellement intense, vous allez pouvoir progressivement et en prenant tout votre temps commencer à revenir dans l'espace dans lequel vous avez commencé cette expérience hypnotique. Simplement vous souvenir de ce qu'il y a autour de vous, de la pièce dans laquelle vous êtes installé. Simplement observer les couleurs, les symboles.
vous allez pouvoir commencer à vous reconnecter avec votre corps physique. En prenant votre temps pour ressentir vos mains, ressentir vos pieds, ressentir vos jambes et vos bras, votre visage, et commencez à effectuer de micro-mouvements pour vous réassocier avec votre corps physique. Vous pouvez également être attentif à tous les bruits environnants. La musique qui m'accompagne qui devient de plus en plus calme, comme si c'était le signal qu'il va bientôt falloir ouvrir de nouvelles fenêtres vers une nouvelle réalité. Une nouvelle porte s'est ouverte à l'intérieur et vous allez pouvoir être observateur de tout ce qui va changer dans votre réalité. Mais avant cela, vous allez pouvoir simplement constater que le son de ma voix va devenir de plus en plus naturel, afin de vous reconnecter avec votre instant présent. Vous pouvez ressentir votre corps, être attentif au son, vous souvenir de ce qu'il y a tout autour de vous, ressentir votre respiration et vous y reconnecter, en laissant un mouvement plus naturel s'installer. Et alors, en prenant tout votre temps, lorsque vous vous sentirez prêt, vous allez pouvoir vous autoriser à réouvrir les yeux pour revenir dans l'ici et maintenant, dans cet espace que vous connaissez, tout en étant curieux de ce qui va pouvoir changer dans votre réalité. J'espère que vous avez apprécié cette expérience hypnotique et que vous allez pouvoir ressentir beaucoup de bénéfices de celle-ci. Pensez simplement à me faire vos retours dans l'espace commentaire afin de me partager votre expérience ou simplement me partager ce qui vous a plu à l'intérieur de celle-ci et peut-être m'aider à m'améliorer pour les futures séances à venir. Quant à moi, je vous remercie pour cet instant que nous avons partagé ensemble et je vous souhaite une excellente continuation sur tous les plans de votre vie. À très vite et prenons bien soin de nous.